Ça me fait mal. Autonome. L'indépendance, ça commence par l'autonomie. Tu as confié toute ta vie à Sylvia. Elle se promène aujourd'hui sur la toile en train de déballer ça. Tu es venu confier ta vie. Tu n'hésites pas. Tu confies rapidement à d'autres personnes. Et puis, tu te fous de la personne. On ne jette pas les gens. Les gens ne sont pas la merde. Quand tu t'assois sur ton WC, tu chies là. C'est caca, tu chies. C'est pas l'homme qui chie. La merde. Tu peux même ruser. Il y a des gens même qui ont envie. Il y a des gens même là. Ils connaissent tellement ta vie privée. Et puis tu peux ruser. Tu as envie de t'en séparer. Tu peux ruser. Ça s'appelle de l'intelligence. Tu peux ruser. Et puis trouver le moyen, la manière. Tu peux ruser. Et puis trouver le moyen. Et puis la manière de te séparer de ces personnes. On ne jette pas les gens quand tu n'es pas en conflit avec les gens. Composé évidemment en fait de membres de la Eucalande. Ces membres auront des cartes. Oui. Nous aurons une trésorerie qui sera gérée par des membres. Parce que dans la ECA, nous avons des juristes. Dans la ECA, nous avons des avocats. Dans la ECA, nous avons la femme qui va au marché. Dans la ECA, nous avons la petite coiffeuse. Dans la ECA, nous avons même celle qui ne travaille pas, mais qui a envie de travailler. Dans la ECA, nous avons des personnes, en fait, qui ont envie d'avoir des activités et qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est la ECA. Alors, j'ai décidé pour 2022, en fait, que la Eucalande devienne une institution respectée. Pas que la Eucalande se contente seulement de faire des commentaires et d'être derrière leur queen, mais que la Eucalande soit une institution qui va aider des personnes. Alors, je décide de mettre en place aujourd'hui, en fait, une fondation. Nous sommes en train de la finaliser. Pour moi, c'est déjà fait parce qu'elle a l'étape d'être... Bon, je ne rentrerai pas en plus les détails, en tout cas... Officielle n'a qu'à faire passer, elle ne peut pas faire. Elle va dire qu'elle me méprise, elle ne me répond pas, elle me voit pas. C'est ce qu'elle vous dit, mais elle me voit, elle est sur mon direct. Elle me voit, elle est sur mon direct. Vous avez vu? Je vais recommencer. Pour vous prouver que c'est moi qui suis la secrétaire de la fondation, comme elle a écrit, je suis pas seulement la. Oui, l'assistant, ça veut dire secrétaire, mais déclarer secrétaire à la fondation Eucalande. Je vais vous le prouver. Vous avez vu la première enveloppe? C'est une grosse enveloppe. Vous voyez la deuxième enveloppe? Vous voyez la troisième enveloppe? Ça, c'est les documents de la fondation qui sont dedans. Ça est chez moi ici. Vous avez vu trois enveloppes? Parce que je suis la secrétaire, c'est moi qui fais les démarches. J'ai demandé que tout passe chez moi ici. Pourquoi il y a trois enveloppes? Parce que ça, c'est la première enveloppe, c'est l'enveloppe de la domiciliation. Normal. Ça arrive à la domiciliation. J'ai fait à suivre. Pour ne pas que la queen se déplace, j'ai fait à suivre. Pour ne pas qu'elle se fatigue, elle se déplace, j'ai fait à suivre. Donc, deuxième enveloppe pour faire à suivre. Pour que ça arrive là où elle peut récupérer facilement. Ça là, je paye ça de ma poche. Et la dernière fois, je leur ai écrit pour que ça soit suivi chez moi, à mon domicile à Paris. Donc, d'où la troisième enveloppe. Donc, comme c'est les blancs qui vont créer, allez-y changer le nom. Faites un poste officiel et puis changez le nom. Sinon, pour l'instant, Eucalande Fondation, ça m'appartient.